Bien bonjour, ici Trong et aujourd'hui je vais vous présenter une console, donc une console que j'y tiens à cœur. Oui, c'est ma première console, donc là que grâce à lui j'ai découvert le monde des jeux vidéo. C'était une console, voilà, que j'y tenais beaucoup, hein, étant gamin, que j'y ai joué souvent. Et que hélas, la bêtise c'est que vu qu'après on avait passé à la nouvelle génération, la console a été vendue, mais c'est vrai que c'était une grosse bêtise. Et là, cette console, quand je l'ai vue dans un magasin, donc c'est un magasin de cash converteur, je me suis dit que je voulais me la prendre. Parce que voilà, j'ai revendu pas mal de choses à cash converteur et j'ai fait, voilà, quelques achats. Et en même temps, j'en ai profité aussi pour prendre cette console qui me tient à cœur. Hein, donc j'ai fait un peu petit profil. Et la console de cœur est la Super Nintendo. Donc voilà. Attendez, je vais enlever le ticket pour que ça fasse mieux. Voilà, la Super Nintendo qui est, bon, la première console grâce à lui que j'ai découvert les jeux vidéo, hein, que grâce à lui j'ai découvert la licence Mario. Parce que oui, quand j'avais eu la Super Nintendo, j'avais d'abord deux jeux qui étaient donc le All-Star Super Mario et le Super Mario World. Et j'ai quand même acheté pas mal d'autres jeux. Ah, tiens, je vois qu'il a un peu d'encre. Bon, et on va quand même la tester. Bon, c'est vrai que tous les Mario, tout ça, j'ai plus de cartouches, mais j'ai encore une cartouche que j'avais rachetée parce que voilà, que j'ai toujours trouvé, que cette cartouche, je la trouve jolie. Killer Instinct, donc le grand classique, hein, la cartouche noire, hein, le fameux Killer Instinct que j'ai acheté, oh, je crois, oui, je l'avais acheté sur Amazon ou sur eBay, je sais plus où je l'ai acheté. Donc, on va retester la console avec Killer Instinct. On se dit à tout de suite. Bon, voilà, c'est bon. J'ai branché la Super Nintendo à ma télé. Donc voilà. Je l'ai branché en Péritel parce que voilà, j'ai pas de convertisseur. Donc on fait à l'ancienne. Donc j'ai branché la console. Et j'ai mis la cartouche de Killer Instinct. Donc on va tester ça tout de suite. Allez, hop, je lance. Ah, je crois que c'est bon. Ah. Un écran noir, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Oui, on dit que ça au feu, ça sert à rien, bah bon. Ah ouais, bah pour l'écran, ouais. Je sais pas si je peux régler ça l'écran, attendez, on va régler. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Hop là, est-ce que je peux? Ah, voilà! Excited, attendez. Allez, voilà. Alors, je ne vais pas me prendre la tête pour les difficultés. Bon, vu que c'est un écran, vu que j'ai un écran clair, j'ai pas d'écran catholique, c'est vrai que j'avoue, c'est pas très fluide, hein. Tiens. Allez. Tiens.
attends, tu vois. Attends, je vais pas te rater le loup-garou là. Allez, dégage. Je vais mettre mon blaze. Hop là. Hop là. Hard. Allez, c'est bon, j'abandonne. Allez, hop. Bon, je vais arrêter la vidéo là. Donc c'était juste une petite vidéo de test hein, de cette Super NES. Et comme vous voyez, bah, il marche très bien. C'était trop, et je vous dis... I'm talking to your bitch and he like I'm a toddler. Walk with the clock on the fucker about.